Bonjour, je suis Andy, je suis gérant associé dans la société Côté Nature. Je viens de recevoir la toute nouvelle caméra de chez Jabra, la Panacast 20. Alors déjà, la petite boîte, très classe. Et quand on l'ouvre, la surprise, une jolie pochette. Dans la pochette, la webcam et le câble, tout bien rangé, c'est parfait. Une toute petite webcam qui est bien lourde, qui tient bien dans la main. On est sur une image 4K en Ultra HD. Le dessus strié pour une meilleure prise. Devant, on a l'objectif avec juste en dessus une petite LED. De chaque côté, on aperçoit les micros. Juste ici, on a chaque côté. Dessous, le petit interrupteur pour le cache de confidentialité. Derrière, on voit bien l'emplacement de l'USB. Le trou de fixation. Une petite zone anti-glisse pour la poser à plat. Et sinon, le support pour la mettre sur un écran. Adaptable pour la calée. Et fournie avec le câble USB-USB-C pour le branchement. Elle est en plug and play total, mais elle est fournie aussi avec un petit logiciel qui permet pas mal de réglages sympas. Je teste la première connexion. Un USB d'un côté, un USB de l'autre. La caméra est reconnue par l'ordi. Alors, ça y est, je viens de la brancher. Je suis passé en salle de réunion, comme ça j'ai un petit peu plus de place pour faire les essais. A priori, la qualité de l'image est tip-top. Il y a une correction automatique de la luminosité. C'est le soir, les volets sont fermés. Je suis qu'avec la lumière des néons et c'est franchement pas mal. Si je teste, et voilà le job qui est fait, la caméra s'auto-ajuste. Il y a plusieurs possibilités. On peut activer, désactiver le micro, on peut flouter le fond ou mettre un fond de couleur. La fonction zoom me plaît pas mal. Et il y a des presets de caméra. Le zoom peut être géré manuellement aussi si on veut. Là, je vais pris la main en manuel. Et il y a une petite fonction que je trouvais vachement sympa qui est la fonction de double affichage. J'ai pas encore réglé tous les presets, mais qui permet d'avoir un affichage en haut, en gros plan sur un produit particulier ou sur une image ou sur un plan spécifique, et d'avoir toujours sa tête à côté pour faire une présentation ou un cours. Et franchement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Résultat, super satisfait de la qualité. C'est du Jabra, donc je m'attendais pas à autre chose. La qualité est au top. Franchement, vraiment top. Je recommande vivement et je vais en profiter avec toutes les prochaines visios qui arrivent chez nous.